ouais, c'était vraiment. On méritait ça, je pense, le groupe méritait ça. Ce soir, il y avait d'aligner des joueurs qui partaient. Voilà, tous les joueurs qui partaient étaient pratiquement alignés. On voulait vraiment faire vraiment un bon match, un dernier match à Armandie et puis sortir par une petite porte. Et j'aurais voulu sortir plutôt par une grande porte et voilà, et que le SUR reste en top 14. Mais bon, voilà, c'était la seule chose que l'on pouvait faire ce soir. On l'a fait d'une bonne manière. Quoi. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de joie avec énormément de tristesse. Tu disais que tu t'étais préparé depuis quelques semaines à ce match. Ça a été comme tu le pensais ou une fois que le petit frère authentique, c'était un match comme ça? Oui, mais tu commences à prendre conscience un petit peu, je veux dire, même si on se coupe un petit peu de tout ce qui est un petit peu autour et puis des enjeux un petit peu qu'il y avait pour chacun. C'est vrai que voilà, plus le match avançait, plus je sentais que c'était les dernières minutes passées ici. Quoi, ça m'a fait plaisir de sortir avec Sylvain qui a fait vraiment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un énorme match ce soir qui a énormément dynamisé. Et voilà, je suis content aussi pour lui, je suis content pour Romain, je suis content pour tous ces joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu cette année, mais qui ont démontré vraiment des valeurs vraiment sur le temps. C'était prévu que tu sortais avant la fin, dont vous aviez parlé. Oui, bah, tu m'en avais un peu parlé, après j'avais pris je me suis fait mal à l'épaule assez rapidement. C'est vrai que je suis sorti un petit peu, mais comme ça. Et que tu prennes le micro à la fin, c'est qu'on est prévu ou tu as eu juste un petit peu peur? Non, ça, voilà, moi j'ai toujours fait des choses comme je le ressentais. Et c'est vrai que je voulais le faire, je voulais remercier tous les gens qui viennent me supporter tout le temps, au nom de tous les joueurs. Parce que on se retrouve depuis quand même plusieurs années et ils ont toujours été là. Et ça va faire 11 ans que j'ai passé au SUA avec des hauts et des bas, avec une saison difficile, mais ils ont toujours continué à nous encourager. Donc la moindre des choses, là, c'est au moins des remerciements. Jean, je vais te poser la question sur le sujet de l'Antique. Il y a eu beaucoup d'émotions ce soir. C'est le fait de quitter le show avec le même match à la main. Ouais, moi je m'étais préparé. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est venu progressivement, petit à petit, mais je sentais que les dernières secondes, les dernières minutes se jouaient sur ce terrain. Et c'est vrai que tu as l'émotion qui arrive de plus en plus. En plus, moi, je suis quelqu'un qui laisse sortir les choses, tout ce que je ressens. Et moi, je suis quelqu'un d'entier. Et voilà, et puis la prise de parole pour le public, c'était tout à fait normal pour moi. Et en tout cas, j'espère qu'on a démontré, tous les joueurs qui ont eu trop de temps de jeu, qu'on a démontré ce soir. Qu'on était non plus, pas mort. Donc tu vas rebondir à Bayonne, on peut le dire maintenant, c'est officiel, on est le 20, je crois. Ouais, tout à fait. C'est un nouveau challenge, ce que tu attends? Ouais, mais je n'ai pas forcément envie d'en parler maintenant. C'est trop cool. Mais une chose sur la gestion, sur la difficulté justement. Oui, on apprend toujours, mais je veux dire, c'est quand même plus agréable si c'était passé autrement. L'objectif c'était de se maintenir en top 14 et on n'a pas rempli notre contrat et puis on est tous responsables par rapport à ça. Cette saison, tu laisses un peu l'inachevé comment? Oui, l'inachevé, parce que quand on voit ce qu'on était capable de faire ce soir, j'ai un petit peu quand même un esprit. Vous, sur ne pas avoir trouvé des solutions comme vous en avez eu ce soir, vous ne les avez pas trouvées avant, c'est alors que on n'a pas l'impression que cette équipe était moins bonne dans le potentiel que celle de l'année dernière ou celle d'il y a 2 ans par exemple. Ouais, mais
si on regarde un peu les joueurs qui ont dynamisé, je veux dire Sylvain c'était son dernier match aussi ici, mais on ne le conserve pas, donc là c'est un joueur qui dynamise tout et c'est vrai qu'il nous a mis le feu ce soir quoi. Et donc automatiquement mais ça te met dans une avancée, dans une spirale mais positive et tout le monde rentre dans ce jeu. Je veux dire, je pense que tout le monde s'est régalé à regarder ce match, il y a eu vraiment de très belles actions. Et voilà, des joueurs comme ça, comme Romain Samuel, comme Belisario, comme je veux dire j'en oublie plein, mais ces joueurs n'ont pas été. Énormément utilisé cette année. Pour un cabaret qui a fait un gros match en mêlée, je peux tous les passer un par un. Quoi. Donc, je veux dire, là cet après-midi, on jouait avec un peu plus d'anciens. Et donc, quand on joue depuis 4-5 ans avec certains joueurs, et automatiquement on sent comment on peut jouer l'un ou l'autre et les automatismes arrivent vite. Quoi. Et donc c'est pour dire que il faut énormément de temps pour se connaître mutuellement. Et voilà, mais on n'a pas le temps en top 14. Ça va tellement vite qu'après, voilà, après on prend du retard. On peut penser que les deux premiers matchs de la saison ont déterminé l'issue de la manche. Ouais, c'est vrai qu'on avait pris un coup derrière la tête sur ces deux premiers matchs. Mais on a eu quand même des occasions pour pouvoir prendre un petit peu l'avantage sur Bordeaux à certains moments. On ne l'a pas fait. Voilà, mais là je pourrais parler des heures et des heures par rapport à ça. Mais je pense qu'avec énormément de filles, on pourrait refaire la saison. Ça c'est trop facile. Je veux dire, les choses, il faut les faire au moment T. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a eu quand même Sonny Gorishan quand t'es sorti. Ça te tiraille au moment de quitter Agen, ce public qui tu l'as remercié, mais on sent que lui aussi il t'aime. Et tu avais une relation entre vous deux. Tu t'en vas, ça t'a fait sentir vraiment que tu partais de là quand t'as senti les gens debout. Ouais. Tu sens que c'est fini quoi. Mais je me rends pas avant encore complètement compte quoi et j'ai du mal à réaliser que je dois jouer en tout cas dans les années à venir plus au SUR et refouler cette pelouse parce qu'il remonte rapidement c'est quand même assez difficile et automatiquement après 11 ans passés dans ce club il y a énormément d'émotions. Merci.